passe mon doigt. Voilà, ça c'était le Nanook. C'est le chalet de mes grands-parents. Enfin, c'était le chalet de mes grands-parents. On va être suspect là, à ralentir comme ça devant les chalets. Oui. Et attends, on va ouvrir la fenêtre pour les gens. Voici la station de Superbès. Il n'y a pas beaucoup de neige. Cet hiver. Nous sommes mardi, un jour de février, le 6 février. Alors, je vous donne les dates, mais c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. Parce qu'en fait, ce week-end, j'ai cherché pendant à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, la vidéo où je parlais de ce kit. Parce que je n'arrivais pas, je croyais qu'il était à la boutique en fait. Et donc, je cherchais la dimension qu'il faut pour... J'essaye de pas faire de bruit. Voilà, je cherchais la dimension des petits carrés, puisque derrière, vous avez ce petit le carré, n'importe quoi, hexagone. Et donc, comme je ne savais plus du tout dans quel vlog je l'avais mis, j'ai cherché. Et, entre guillemets, aucun lien avec ça, mais un peu quand même. À un moment donné, il y avait une vidéo où il y avait de la neige. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien savoir c'était à quel... quelle période, et j'ai pas donné la date. Voilà, donc il faudra juste que j'aille regarder la date à laquelle je l'ai mis en ligne, tout simplement. Mais bref, tout ça pour dire que ça m'aurait bien servi que je donne la date à ce moment-là. Donc, il est 9h et des bananes, 9h25. J'ouvre à 10h en ce moment. C'est déjà froid. Il fait 9 degrés dans la boutique et je suis arrivée, la chaudière était en erreur. Donc après la machine à coudre, la chaudière, tout va bien. Donc là, vous entendez le bruit, je suis désolée, elle est en train de se relancer, histoire que je ne perde pas un doigt. Donc, du coup, j'ai pris un template, je vous mettrai le nom du site internet. Elle a 3 ou 4 tailles ça, sur un PDF, et vous avez le PDF avec la marque du site. Donc je crois que c'est un blog. Enfin, le nom, voilà, le nom de la personne qui a fait les PDF, et vous en avez sans rien, ce qui fait que ça permet de d'économiser l'encre, en fait, tout simplement. Parce que moi, j'avais pas envie de couper ça et de retracer à chaque fois. Je me suis dit, imprimer, c'est très bien, je vais gagner du temps. Voilà, donc, ce week-end, alors, vous avez vu, c'était filature hier. Comme je vous l'ai dit dans la petite séquence avec la machine à coudre, on est revenu par le massif. Donc d'habitude, je passe par de chez moi, je prends Champais, le lac d'Aïda, Pont-au-Mur, Pont-Gibaud ou dans l'autre sens parce que je ne sais jamais. Bref, pour aller jusque dans la Creuse. Et là, on a fait l'inverse, on est passé par la tour d'Auvergne, on est passé par en dessous. Je vous ai mis des vidéos de la montagne de ce côté-là, il est trop beau. Donc c'est les massifs du Sancy que vous voyez sur les vidéos.
Donc on est allé manger à Superbès. C'était une bonne idée, moyenne, fausse bonne, puisqu'on s'est retrouvé avec tous les Parisiens. Donc il y avait un monde fou dans la station, parce que là on savait pas qu'en fait c'était les vacances. Alors j'y vais parisien, mais c'est donc Paris et Montpellier et tout ça. Et donc nous on pensait que c'était le début des vacances, c'était la semaine prochaine, mais en fait non. Bref, c'est pas grave. De toute manière, à l'heure où on est arrivé, c'était le deuxième service, il y avait déjà moins de monde. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur hier? Oui, donc on a réparé la machine à coudre. Heureusement que j'avais l'homme avec moi parce qu'il fallait quatre mains. On a démonté complètement le bloc moteur. Et en fait, quand vous le remontez, il faut aller écarter les charbons pour remettre le bloc moteur. Et clairement, si vous n'avez pas au minimum trois mains, ça ne fonctionne pas. Donc quatre, c'était bien. Voilà. J'ai fait des commandes ce week-end. Je vous avais dit que je voulais faire les soldes cette année, blablabla, que donc j'avais fait une commande chez Roséine et Suzanne, et donc je suis retournée voir chez deux mères en fille comme ça, en me disant oh, au cas où. Et donc je suis tombée sur des grilles qui, à mon souvenir, n'y étaient pas quand j'étais allée regarder. Donc je sais pas si elle a rajouté ou si c'est juste moi qui avais mal fait la recherche, je sais pas. Donc, bref, j'ai commandé des grilles qui étaient à moins 50%. J'en ai commandé 4 ou 5. Il y a une de Madame Chantilly avec une maison dans une jarre d'Halloween, une avec des poulettes, une avec des lapins pour ma fille, pour ma mini. Bref, je vous montrerai. Et j'ai fait une commande chez Poussière d'Étoile puisque j'ai beaucoup brodé dimanche. Parce qu'en fait, j'ai du mal à tricoter en ce moment. J'ai, pour information, à cet endroit-là, on a une gouttière avec le canal ulnaire qui passe dedans. Et en fait, bah, moi, c'est grippé, quoi. C'est un peu grippé. J'ai plus d'huile de coude. Donc, bref, j'ai des examens médicaux à faire et patatoufin pour voir si potentiellement il y a une opération à faire, puisque j'ai passé un an chez le kiné et quand j'ai arrêté le kiné, c'est revenu. Donc voilà, et tout ça pour dire que quand je tricote maintenant plus de 10-15 minutes, c'est très compliqué. Donc hier, l'homme est venu avec moi puisque, comme je vous ai dit, il y a eu un imprévu au niveau du travail. Donc j'ai tricoté dans la voiture, mais alors toutes les 10 minutes, j'étais obligée de faire une pause, j'ai pas tricoté grand-chose. J'ai dû faire peut-être 4 cm sur le test que je fais pour mal oreille. Donc j'ai beaucoup brodé dimanche, du coup j'ai brodé sur mon calendrier de Noël. J'ai terminé la chaussette. J'ai fait la troisième citrouille de mon petit personnage de Mama Stitch Witch, Witch Stitch, un truc comme ça. J'ai repris le Wool Forest. Et je me demande si y en a un autre. Non, ça doit être tout, mais ce qui est déjà pas mal, en fait. A priori, c'est déjà pas mal. Mais j'ai donc mis sur des tambours, j'ai mis dans des sacs, il faut que je me fasse d'autres pochettes d'ailleurs. Et je me suis rendu compte que je n'avais qu'un seul aimant, tout ça pour en venir là, j'ai qu'un seul aimant à aiguille, donc c'est un peu la galère. Donc j'ai fait une commande chez Poussière d'Étoile pour me commander. J'en ai commandé deux pour moi, un pour l'homme, et j'ai commandé des petits cadeaux. Et je me suis commandé le sticker, sa sortie, l'aimant à aiguille. C'est un sticker que l'on peut mettre sur les ordinateurs qui reste sur le long terme. Voilà. Chez Roséine et Suzanne, donc du coup, j'ai commandé des coupes en tissu, de la ouatine, pour faire ce que je vous ai montré. Je me suis rendu compte d'ailleurs sur le montage que c'était pas super bien visible. Je vais juste à la limite vous remontrer vite fait. Je les ai cherchés sur Vinted, je les ai pas trouvés. Parce que je me suis dit que bon, les piquer à la copine, hein, au bout d'un moment, hein, elle va peut-être vouloir le récupérer. Donc c'est ça. Enfin, j'espère que là vous verrez bien. A priori, c'est bon. Et donc je vais voir si la ouate va bien avec. Et sinon, de toute manière, je voulais faire des maniques pour la cuisine avec ce tissu que j'avais acheté aussi chez Roséine et Suzanne. Donc voilà, je vais recevoir ça et... Oula, ah mince, je...
Je suis en train de pousser des patrons. Je rangerai ça mieux après. Donc voilà pour ce qui s'est passé ce week-end. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Enfin, je vous dis ce week-end, on est mardi. Moi, je viens en décalé du coup, puisque le samedi, je travaille. Enfin, le lundi, je travaille aussi, mais... parce que l'homme, c'est ce qu'il me dit. Je lui dis, bah, ça va, aujourd'hui... En parlant d'hier, j'ai pas fait grand chose et tout. Il me dit, bah oui, mais en fait, c'était l'aller-retour à la filature, c'était pour le travail, quoi. Et ah oui, d'ailleurs, aussi étonnant que ça puisse pas être, je suis arrivée à la filature, ma commande était prête. Thierry n'était pas là, mais son papa nous a reçus. Il lui a passé un coup de fil, machin. Au début, on n'arrivait pas à trouver la commande. Et puis, bah, j'ai fini par fouiller un peu, hein. J'ai fini par la trouver. Donc, je ne suis restée qu'une demi-heure à la filature. C'est un record. Et donc, je n'ai pas la noire du velay en trois brins. Mais ça, je le savais, il m'avait envoyé un mail avant pour me dire qu'il était en rupture de stock. Donc, voilà. Donc, là, j'ai ramené la laine. Alors, j'ai pas pu en prendre une quantité faramineuse, tout simplement, parce que bah, maintenant, j'ai un loyer à payer. Donc, donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez voir? Oui, c'est là. C'est là. Voilà. Donc, j'espère avoir suffisamment pour, pardon, pour Malakoff. J'ai pris tout ce que je pouvais financièrement parlant. On disait même en rigolant avec l'homme que en vrai, ça serait rentré sur les motos si on avait sur Israël en moto. On a pris la Saxo. Mais non, en vrai, il faisait super froid. Donc, très très beau. On a eu une journée magnifique, mais froid. Et ça, c'est cool. Parce qu'en vrai, c'est quand même un peu plus de saison que 13 degrés. Je reçois des messages. Voilà, donc aujourd'hui, je termine les troussinettes. Si j'ai le temps, je commence à peser tous les échevaux pour réchevauder ceux qui font 100 grammes, ceux qui font pas assez, ceux qui font trop. Je peux pas... excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge ce matin. pour les nouveaux abonnés, déjà merci parce qu'en fait, on est quand même beaucoup maintenant ici. Donc ça, c'est super. Donc je vous remercie d'être là et si vous êtes sur la chaîne depuis peu, donc moi je travaille avec des toisons 100% françaises en circuit court, je dégrave pour vous montrer, je travaille actuellement avec donc Terrade qui est dans la Creuse à Feltin, j'ai un nœud. Je propose trois bases, donc la écrue qui est un regroupement de toisons françaises de toute la France, la bisée qui vient du Massif Central et la noire du Velay. Et tout ça pour vous dire quoi? Oui, et donc quand je vais les chercher à la filature, moi mes échevaux, des fois ils font 97 grammes, des fois ils font 110, voire 115. Vous allez me dire que je pourrais laisser les échevaux de 115 en 115. Oui, mais non. Parce qu'en fait, quand on teint au poids de laine. Sauf que je ne peux pas à chaque bain peser ma laine, refaire mon produit en croix pour savoir exactement de pigments, combien de pigments il faut que je mette pour avoir la même teinte d'un bain à un autre, avec forcément des différences, puisque voilà, je travaille avec les Greener Shade. Eux-mêmes, quand ils m'envoient les pigments, je peux avoir des différences de teinte dans les pigments. Donc moi, j'aurai forcément des différences de teinte dans mes bains. Mais voilà, si je mets des échevaux qui font 115 avec ma recette habituelle, je n'aurai pas la même teinte du coup, et ça, c'est sûr. Voilà, et ça veut dire que les gens qui vont tomber sur les chevaux de 97 grammes, eux, seront lésés. Donc, je fais des chevaux qui font 101, voire 102 grammes. Pour me garder une marge, parce que c'est pas une batterie de très très haute précision que j'utilise pour peser la laine, celle que j'utilise pour peser les pigments, oui, mais pas celle-là. Donc voilà, ça me permet de... Comment dire? Ça me permet de mieux maîtriser les couleurs qui sortent des casseroles. Voilà. Donc j'ai commandé de la bisée, de l'écru, de la noire du velay en deux brins. En trois brins, j'ai de la bisée et de l'écru. Et j'ai recommandé, j'ai pris 300 grammes de fil à broder d'Aubusson. Voilà. J'espère avoir assez pour Malakoff. Mon mari qui me dit, non mais clairement, t'auras pas assez. Oui, ben c'est pas grave, je fais ce que je peux l'année prochaine. Promis, je m'organiserai mieux. Voilà, sachant que... vous le savez, ça fait un moment que j'en parle, mais ça va venir, c'est promis. Je vais aussi travailler
avec Fonti en base, puisqu'ils proposent maintenant leur base en non-superwash. Mais comme à chaque fois que je veux organiser ce truc-là, il y a quelque chose qui vient se mettre en travers de mon chemin, qui fait que je suis occupée, j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc voilà, bon, c'était les salons, après il y a eu la boutique, là il y a de nouveau un salon, donc moi ça ne s'arrête jamais. Mais promis, ça va venir. Voilà. Eh bien écoutez, ma foi, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée, je ne sais pas. De toute manière, j'avais rien d'autre à vous dire. Donc je vous dis à bientôt. Alors, je vous prends 2 secondes. Vous n'êtes pas dans le bon sens. Et c'est pas grave. Je vous prends 2 secondes parce que je vous ai montré donc ce kit. Ah, du coup, il faut que je vérifie, mais vous êtes à l'envers. Bon, c'est pas grave. Je vous parlais de ce kit et du coup, j'ai terminé les troussinettes. Si, si, ça a un rapport. J'ai terminé les troussinettes. Là, je voulais prendre des photos, mais en fait, ça commence à être trop sombre. Donc, je ne vais pas faire ça. Ma machine à coudre est en rade encore. Elle m'a juste servi pour que je puisse terminer et livrer la robe de Betty. Je vous insère une petite vidéo après. Elle a bien voulu que je la filme. Et pour terminer les troussinettes, voilà. Donc, du coup... pour ma pause midi, et puis là j'en ai refait 2-3. J'ai commencé les petits English paper piecing, donc il m'en reste pas beaucoup. Il me reste les violets et les bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 10 à faire, et ça va super vite. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Et donc, pour vous montrer un petit peu. Hop, le panel de couleurs. Alors, c'est très addictif en fait. Vous vous dites, allez. Dès que j'ai fini les roses, je m'arrête. Mais sauf que dans le rose, vous voyez, il y a du jaune. Du coup, vous partez sur les jaunes. Ah bah, dès que j'arrive dans le jaune, j'arrête. Puis le jaune, bah, il y a du vert. Et du coup, hop, et ben, on part faire les verts. Ah bah oui, hein, voilà. Et du coup, et ben, on ne s'arrête pas. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai fait avec la colle. Je ne sais pas si je les ferai à chaque fois avec la colle. Je pense que en faisant les coutures, bref, vous faites une. Sinon, vous pouvez faire une petite couture de sécurité là. Après, vous en faites une là, et ainsi de suite. Parce que là, je ne sais pas comment va se. Si le papier va bien s'enlever ou pas. Parce que moi, je vais enlever le papier, c'est pour faire un coussin. Donc, il faut qu'elle puisse le laver. C'est, ça aurait été pour faire une tenture ou autre. J'aurais peut-être laissé le papier, mais là, voilà. C'est pas l'objectif. Faut qu'il puisse passer à la machine à laver. Et donc, je vous laisse imaginer si j'ai ce papier, ce que ça donne. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Voilà. Bon, désolé pour les rêves de vieux. Hein. Je suis vieille et j'assume. Je plaisante. Donc, je laisse ça de côté. Là, je vais sortir de quoi refaire un prototype. Pour le sac, le petit sac rond que du coup je vais voir si je peux ne pas le faire rond et le faire carré pour gagner du temps. Je sais que vous m'aviez dit, j'ai eu des commentaires, je vous remercie de m'avoir donné votre avis parce que pour moi c'est assez important, où vous m'aviez dit que pour vous le côté rond, s'il y avait des petits endroits qui grignaient tout, ça vous dérangeait pas du tout. Donc je vais voir si le côté carré ne fonctionne pas, je resterai sur le rond. Le problème restant que, en termes de budget, le rond étant beaucoup plus long à faire, j'ai eu une idée. J'étais en train de faire mes petits hexagones et je me suis dit, mais sinon tu fais un fond hexagonal et tu fais des... Au lieu de faire un rond tout autour, tu fais des panneaux. Bref, on va pas faire ça, ça serait beaucoup trop long. Mais j'ai eu des idées aussi pour faire des poches. Enfin bref, C'est pénible d'avoir plein d'idées comme ça et d'avoir ni le temps ni les ressources pour les mettre en place. Bon, bref.
Mais il faudrait que je fasse un dessin pour me garder l'idée. Sait-on jamais. Peut-être qu'un jour j'aurai le temps. Allez, il y a du monde dans l'escalier, je vous laisse. C'est pour moi. Hello, alors nous sommes vendredi 9, un truc comme ça. Il est. Vous êtes de travers par rapport à moi. Il est 17h. C'est bon. Je devais prendre les trottinettes en photo et en fait j'avais oublié que j'avais un cours de couture cet après-midi. Donc voilà. Donc, voilà. J'ai pas eu le temps, c'est pas grave. Je vais voir si. Je peux éventuellement faire ça là, sinon ce sera demain matin. Je voulais vous parler de plusieurs choses. Déjà, ce matin, je suis allée à Action. Et je suis tombée sur ces pochettes. En fait, c'est des pochettes plastiques avec un rabat à pression. Hop. Mais pas que, parce qu'en fait, de l'autre côté, elle a une autre pochette, comme ça. Et du coup, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis ce que j'avais fait imprimer en A0. Et comme ça, c'est trop bien. Alors celui-là, je ne l'ai pas décalqué, mais les autres, en fait, j'ai mis la partie décalquée avec le plan A0. Et je me dis que du coup, même si on a plusieurs tailles d'un même patron, on peut mettre une taille de chaque côté. Voilà. Et aussi, ça c'est juste un test, je ne laisserai pas dedans pour le moment, mais on peut aussi, vous voyez, si vous avez des petits coupons de patchwork que vous voulez ranger correctement, bah ma foi, c'est pas mal du tout en fait. Voilà, c'était le bon plan. Ça coûte 44 centimes. C'est au rayon bureau et compagnie. Quoi. Moi, j'en ai pris pour faire le test. Et donc, je vais aller en rechercher, vous en doutez bien, avant qu'il n'y en ait plus. Et il y en a aussi qui ne sont pas transparentes, qui sont colorées, mais je ne pense pas qu'elles aient le rabat de l'autre pochette derrière, celles qui sont colorées. Quoi que je dise ça, mais elles étaient au même prix. Je ne sais pas. J'avais aussi acheté ça pour ma fille. Alors, bon, je me suis rendu compte que le micro est tellement bon que tous les bruits de plastique, on les entend décuplés dans le téléphone. J'ai commandé pour ma grande, parce qu'elle voulait que je lui fasse un sweatshirt. Des transferts. Donc là, c'est sur les films, un peu films d'horreur, mais version mignonne. Et moi, celui-là, j'adore. Alors, il y a écrit « Piu Piu Motherfucker ». Voilà. Et je kiffe, c'est Cassis. Bon, bref, tout ça pour qu'elle me dise « Ouais, non, mais je veux juste un sweat tout noir, quoi. » Bon, bah, c'est pas grave, hein, je m'en ferai des t-shirts et puis c'est tout. voilà, bref, c'était... Je pensais lui faire plaisir, c'est un gros fail. Je vais vous parler de, je vais l'appeler le petit Robert. Parler du petit Robert. Le petit Robert, c'est le sac qui est terminé. Donc là, c'est le prototype qui a validé tout. Et donc, je l'ai fait comme je vous avais dit.
Ah, il est encore tout chaud, je vais passer au fer à repasser. Un fond carré. Devant, il y a une poche avec une pression magnétique qui ont un joli petit dessin. Ça a l'air d'un dehors. Le soufflet, alors là je l'ai mis noir parce que j'avais que des noirs, mais je vais en commander d'autres pour être assorti, soit plus joli. Et à l'intérieur, donc on a toujours la petite étiquette avec l'ampoule et le rivet. Et j'ai fait une poche. Je suis pas venue mettre de pression parce qu'en fait la mienne, j'ai mis une pression et au final je m'en sers pas, ça me gêne plus qu'autre chose. Parce que là, j'ai juste envie voilà, de glisser des choses et pas forcément de... J'ai pas besoin d'avoir une pression. Et là, toujours la petite poche pour les aiguilles double pointe. Et donc là, j'ai fait des photos. J'ai pu y mettre... Enfin, on peut y mettre plus, mais j'ai mis 4 pelotes de 100 grammes. Et parce qu'en fait, ça fait pile poil le fond. Ça permettait de l'avoir bien carré. Et donc là, pour vous donner... une idée, je vais le remplir de laine. Pourquoi l'accent du sud, je ne sais pas. Ne me demandez pas. Hop. On traite dans les filles. Voilà. Ah oui. La petite lance toujours à pression parce que il faut pouvoir l'accrocher partout. Partout, partout. Et voilà. Donc, bah, ma foi, moi, j'en suis super contente. Bon, bah là, forcément, oui, il fait pas aussi joli que sur les photos. Voilà, donc désolée, du coup, il y avait quelqu'un. Donc, voilà, le petit Robert est terminé. Le patron est carré, c'est tout bon. J'ai tout noté en même temps, les rectifications sur les dimensions et tout ça. Donc, ça, je suis contente. Et puis je suis contente en plus parce que en fait comme je vous l'ai montré on peut le replier voilà, il se range du fait je vous l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort, je vous l'ai pas dit, du coup j'ai fait le choix de ne pas l'entrôler finalement puisque j'utilise mes cotonnades habituelles que je trouve qu'elles se tiennent très bien et que c'est suffisant. Et comme je vous disais, du coup, on peut le hop, on enroule. On enroule ça autour. Et ah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Forcément, si je vous donne si je vous montre pas les bonnes choses, ça ne va pas. Hop, on ferme la petite pression. Et puis, on peut le ranger à côté des écheveaux. Ça fait joli. Voilà. Donc, ça c'est validé. Il va falloir que je trouve pour les troussinettes, ce que j'avais fait pour mes gabarits, c'est que j'étais allée acheter à Action encore des dessous de table que j'avais découpé. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de retracer à chaque fois. C'est beaucoup plus rapide. Donc là, je me demande s'ils ont. Alors, je sais qu'ils avaient ça au rayon loisirs créatifs pour les enfants, des très grands. Donc, je vais partir un petit peu plus tôt ce soir, je pense un quart d'heure avant. Et je vais aller voir ça, je vais aller me racheter des pochettes. Je ne peux pas vous montrer d'autres choses que j'aurais avancées, puisque je n'ai rien avancé d'autre. Là, je vais reprendre le gilet de ma cliente. Et donc, demain, je pense que ça sera axé principalement... la préparation du salon, donc rééquilibrage de mes écheveaux. Là, je fais au fur et à mesure faire ces écheveaux là. Alors, celui-là, je sais toujours pas, je vous l'ai montré hier. Ah, bah, j'aurais dû demander. Ah, bah, mince, j'ai pas demandé. J'aime pas dire mon élève, ça fait pompeux. À la jeune femme qui vient pour que je l'aide dans sa couture. J'aurais dû lui demander ce qu'elle en pensait de cette couleur improbable. Bon, je vais pas la mettre en écheveau pour le moment. Et je me suis demandé si en fait je n'allais pas tout simplement, parce que je me garde toujours un écheveau de chaque couleur pour les tester.
Et je me suis demandé si je n'allais pas tout simplement faire un test de broderie avec. Si j'allais pas même voir l'incorporer dans mon Wool Forest. À voir. En tout cas, je suis absolument ravie du grenat. J'ai fait aussi de la bisée 3 brins en grenat, de ce turquoise. Et puis bah, après, bah, il faudrait que je dévide. J'ai encore de quoi teindre à la maison. Donc voilà, je vais essayer de faire au fur et à mesure, de ne pas faire que ça toute la journée, pas faire que du bobinage toute la journée, que du. Voilà, parce qu'à un moment donné, il faut varier les plaisirs. voilà. C'est tout. J'hésitais à me coudre un t-shirt, mais là, il me reste qu'une demi-heure, donc ça n'a pas de sens de commencer à couper du tissu. Je vais tricoter le gilet. Enfin, je vais pas tricoter. Hein, c'est au crochet. Je vous montrerai ça. Bah, sinon, je vais faire un gros plan, peut-être après, si j'arrive à trouver une position pour filmer qui est intéressante. Voilà. Du coup, vous vous en doutez, ce vlog va courir sur 2 semaines. Et il faut que je voie, puisque je vais fermer une semaine pour teindre, faire une semaine que de teinture. Alors hier, j'ai fait que ça toute l'après-midi, je vous raconte pas, j'avais le dos en compote, les coudes complètement rincés, j'étais vannée hier soir. J'ai fait mes tests sur les toiles à broder, donc ça, je suis très contente, je vais commander de la toile de lin à broder pour pouvoir les mettre en couleur, pareil pour Malakoff, parce que c'est pas principalement ce que je vends ici, mais je me dis que sur les salons, voilà, on m'a parlé de 2 salons broderie qui se passent dans le coin, donc auquel je pourrais éventuellement participer, ça serait sympa. Et ça permettrait de faire connaître le côté broderie un peu de la boutique. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je vais assembler l'encolure au gilet de ma cliente. Alors, nous sommes samedi. Vous êtes un peu loin. Nous sommes samedi après-midi. Je suis un peu patraque, je suis un peu. C'est pas top là. Il pleut des cordes dehors. Ça fait du bien d'avoir de l'eau, mais de la vraie. Autre chose que juste de la bruine. mais, je sais pas, j'ai dû attraper un coup de froid, j'ai mal au ventre. Donc, j'ai un rendez-vous cet après-midi avec une stagiaire qui viendra au mois de juin. Désolée, il y avait du monde dans la cage escalier. Donc je disais, j'ai un rendez-vous en fin d'après-midi avec une stagiaire donc, qui doit venir au mois de juin de la même école que ma petite stagiaire que j'ai eue là. Enfin, c'est le même stage, quoi, tout simplement. D'ailleurs, c'est assez curieux, ils font 2 fois 3 semaines dans l'année. Et bref, et donc en fait, en fonction, si elle arrive pas trop tard, je rentrerai, je fermerai plutôt et je rentrerai. Voilà. Ce matin, j'étais bonne à rien. Il y a plein de bruit dehors alors qu'il n'y a personne. J'avais trop mal au bras ce matin pour faire quoi que ce soit de productif. Donc, je vais vous montrer un peu le. Je suis repassée à Action hier. Non,
ce matin. Non, mais c'est pour vous dire, je suis vraiment pas traquée. Je suis repassée à Action ce matin pour reprendre les pochettes que je vous ai montrées hier. Je crois que c'est hier que je vous ai montré. Hein. Bah oui, c'est hier que je les ai achetées. Donc, je suis allée en rechercher et du coup, j'ai trié tous mes patrons. Donc, enfin, tous, une grosse partie. Des patrons adultes, on va dire. Et ouais, c'est qu'il me reste une caisse comme ça à la maison. Il me reste une caisse comme ça de vêtements enfants à la maison. Mais dans mon souvenir, en fait, c'est des archives parce que c'est des tailles que mes filles ne mettent plus. Donc tout ça, c'est les patrons qui me restent à mettre dans des pochettes. Donc il y a du Polynalis, il y a de l'usine à bulles, il y a, voilà, il y a du bazar, quoi. Hein. J'ai pris plusieurs formats de pochettes, en fait. Donc celui que je vous ai montré, et j'ai pris celle-ci, qui sont les mêmes, mais derrière vous n'avez pas la deuxième pochette. Donc voilà, j'ai rangé des patrons comme ça. J'ai fait une pochette où j'ai mis toute la lingerie. Et puis bah, après, ça c'est mes trottinettes que je vais garder de côté, que je vais pas ranger avec le reste, bien sûr. Donc voilà, j'ai le plus soc, je l'avais acheté en version adulte et enfant, donc j'ai mis les deux versions dans la même pochette. Voilà, ça c'est trié. Il y en avait des jolies. Celle-ci, il n'y en avait qu'une, je suis déçue, elle est vraiment très belle. Comme ça, donc j'ai pris celle-ci et celle-là. Les fleuries, il n'y en avait pas beaucoup de disponibles. Donc voilà, ça, c'est fait. Et ensuite, donc j'ai rangé. Donc il y a tout ce que je peux potentiellement refaire, parce que je sais que je les ai fait une fois, ça fonctionne. Et donc j'ai mis d'un côté ce que moi j'avais décalqué, puisque je ne coupe pas dans les patrons. Et de l'autre côté, le patron imprimé. Et quand il y a des petits, vous voyez, des petites languettes, des petits machins qui risquent de traîner, j'ai mis un tape derrière pour sécuriser. J'ai trouvé ça ce matin à Action. Donc vous avez plusieurs petits tapes. Hop, là c'est le thème des fruits. Et à l'intérieur, vous avez en fait un petit livret que je peux vous montrer avec des petits stickers. J'ai pris celui-là, j'en ai pris un sur un thème un peu vintage, très joli. Voilà. Donc, ça fait tout ce patron. Ah oui, j'ai aussi commencé à trier tous les Dirando que j'avais fait en attendant de racheter des pochettes comme ça, puisque je n'en ai pas assez. Et j'ai pris ce qu'il y avait. Les autres, elles étaient bleues et en fait, on ne voyait pas à travers. Donc, ça me gênait. Et puis, moi, le bleu, voilà. C'était pas un bleu qui me plaisait. Donc, j'ai. Avant, elles étaient justement dans ce type d'enveloppe. Mais on ne voit pas à travers. Je trouve ça pénible. Donc, là, voilà, j'ai mis ça comme ça. Voilà. Avec. Hop. Avec tout ce que j'ai décalqué, donc là j'ai tout ça. D'ailleurs, il faudrait que je les compte pour ça. Combien de pochettes il faut que je rachète la prochaine fois que j'y vais. Et j'ai encore tout ça. Enfin bref, il y en a partout. Et du coup, à chaque fois que je les ai sortis, j'étais là à me dire, oh, j'ai envie de me refaire celle-là. Oh oui, puis j'ai envie de me refaire celle-là aussi. Et puis ça, et gnagnagna, et gnagnagna. J'ai fait une boîte exprès pour les patrons de mes clientes. Comme ça, hop, c'est rangé, c'est leur patron, ça leur appartient entre guillemets. Et j'ai acheté ça. Donc ce sont des grands dessous de table. Et je vais comment dire, je n'ai même pas regardé ce que j'avais pris. Je vais tracer, comme pour mes troussinettes, je vais tracer le patron du petit Robert et le découper. Et comme ça, voilà, quand je ferai les sacs, ça sera plus facile et plus rapide qu'à chaque fois de tracer sur le tissu. Ça prend un temps fou. Donc j'essaye
comment dire, j'essaye d'optimiser un peu le temps, de m'organiser pour que ça soit plus pratique. J'ai aussi profité d'avoir, enfin j'ai fait un test en fait, parce que il y en a où j'avais pas ça en fait, j'ai pris les, à l'époque j'avais pris les pochettes et j'avais photocopié le devant, puisque je rangeais pas, je mettais pas le patron pochette avec mon patron décalqué en fait. Là, comme ça, ça me permet de tout centraliser au même endroit. Ça m'évitera d'avoir les pochettes là-bas, les patrons décalqués là. Et du coup, celle où j'avais pas fait ça, j'ai essayé avec mon imprimante 3D. Oh là là, je suis crevée, je suis désolée. N'importe quoi. Imprimante 3D, c'est ma fille qui est en train de regarder pour, parce qu'elle veut ça. Bref, aucun lien fils unique. L'imprimante thermique. C'est bon, je sais pas. Il y a des gens qui font des allers-retours. Bref. Et j'ai imprimé. En fait, j'avais pas vu qu'il restait. J'avais lancé l'impression des hexagones. Je m'étais trompée d'imprimante. Et du coup, bah, j'ai réutilisé papier. Mais bon, ma foi, c'est pas trop mal. C'est pas parfait, hein, clairement pas. Mais je me dis que comme ça, moi, ça me permet d'avoir. Je visualise tout de suite le patron. Voilà. Bon, pour le moment, tout ça, ça va. Partir dans le meuble de rangement là et je vais voir si la luminosité est pas trop mal pour prendre les photos des troussinettes, parce que c'est des trombes d'eau qui tombent depuis ce matin et là je suis pas sûre que la luminosité soit suffisante en fait. On va voir, parce que je pourrais si je les faisais pile poil ici, mais le décor me plaît pas ici, je voulais les prendre un peu plus loin. Bon, bah, sinon ce sera plus tard, je me prends pas la tête de toute manière. C'est pas comme si c'était la cohue et on attendait après la sortie des troussinettes. Voilà. Et je voudrais voir aussi potentiellement, vu que je suis patraque, je pense pas pouvoir travailler entre guillemets à réfléchir sur quelque chose et mettre à coudre. Donc je vais voir pour décalquer peut-être la robe, comme ça après je rends le magazine à ma copine. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Et oui, il faudra que je vous montre aussi la maison. J'ai terminé aujourd'hui les petits hexagones. Et quand j'étais ado, peut-être même avant, ma maman nous avait acheté à toutes les trois, parce que j'ai deux grandes sœurs, une boîte à ouvrage. Voilà. Donc la mienne, elle est ronde, bordeaux. Donc elle est à l'atelier à la maison et je me suis dit que ça serait pas mal que je me fasse, je sais plus si je vous en ai parlé à vous parce que j'en ai parlé à l'homme, de me faire un petit nécessaire de couture à la main qui reste à la maison, parce qu'en fait toutes mes bobines, toutes mes aiguilles, tout est arrivé ici maintenant, donc si je veux coudre à la maison, bah, j'ai rien, et comme ça je pourrais mettre mes petits hexagones dedans. Et je voulais à la base, je vous avais montré, j'avais acheté ces coupons de coton à Action et je voulais, comment dire, en gros faire un test des English Paper Piecing avant de faire cela. Bon, je vais le dire parce que voilà, j'ai appris il y a peu que des fois ma maman regardait le vlog et je lui dis ouais, mais en fait ça serait peut-être bien que tu me dises, parce que moi je savais pas que tu regardais les vlogs, et moi quand je fais des cadeaux, et ben je les montre. Et bref, donc ça, et ben si tu te fais spoiler, maman, c'est de ta faute. fallait pas regarder la vidéo. C'est pour l'anniversaire de ma maman, je voulais lui faire pour Noël, et puis Noël on a une autre idée, donc je me suis dit bah, c'est pas grave, ça me fait garder une idée pour son anniversaire qui est au mois d'avril. Et donc il faut que je me fasse une petite pochette, parce que vous voyez, à force en fait, la pochette elle s'est éventrée. Donc il faudrait que je trouve quelque chose pour ranger tout ça proprement. Et parce que j'ai pu, à la limite, j'aurais pu mettre ça dans une des pochettes, mais j'en ai pas eu assez. J'ai pris, j'ai fait la razzia à Action ce matin. Voilà. Bon allez, je vous laisse, j'essaye d'avancer un petit peu quand même.
sommes mardi. Oui, c'est mardi, vous reconnaissez. Je suis à l'atelier, à la maison. Je vais éteindre aujourd'hui, puisqu'en fait, depuis qu'elle est rentrée de la piscine vendredi soir, la mini, elle commence à avoir des plaques rouges et tout. Puis, au début, je pensais que c'était une réaction allergique, parce que c'était juste les joues. Et bref, c'est descendu progressivement sur le corps. Il y a eu des cas de scarlatine à l'école la semaine dernière, donc elle est à la maison. Voilà. Tranquille, elle y retourne jeudi, parce qu'en fait, je l'ai badigeonné. Elle a pris des bains d'huiles essentielles. J'ai fait titri, niaouli et lavande, vrai. Pas la officinale. Et du coup, tout est parti. J'attendais hier en me disant que si besoin, j'appellerai en urgence le médecin. Pour savoir s'il y avait besoin, au cas où. Bah, je ne suis pas pour les médicaments, mais de temps en temps, voilà, s'il y avait besoin de la passer sous antibiotiques, puis au final, pas du tout. Donc, elle est tranquille dans la maison en train de jouer, parce qu'au final, elle n'a absolument aucun symptôme, à part les plaques rouges. Donc en fait, elle est tranquille, elle a eu un week-end à rallonge, quoi, tout simplement. Voilà, donc moi, je vais en profiter pour teindre, parce que là, c'est... L'emploi du temps est très compliqué, et on a un imprévu familial sûrement ce week-end, donc je vais sûrement devoir fermer, bref. Qui dit fermer, dit ne pas bosser. Il y a Malakoff qui arrive à grands pas et je suis en train de me dire que j'irai avec ce que j'ai. Et puis c'est tout, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, j'ai préparé... attendez, je vous prends dans le sens. Oui, alors, bon, la cuisine telle que vous la voyez par rapport au reste de l'atelier, là, c'est rangé, n'est-ce pas? J'ai préparé des fibres là. J'avais déjà un bain là, de grenat qui était prêt, parce que je l'ai fait sur... Non, d'ailleurs, je crois que c'est sur... Bref, peu importe. C'est ça, d'ailleurs. J'ai oublié de ramener mon stylo indélébile pour noter sur les bouteilles. Donc là, je vais teindre du grenat sur la bisée 2 brins. J'ai fait sur la bisée 3 brins l'autre jour. C'est en train de sécher dans la maison. Et j'espère pouvoir, en même temps, ranger ça. Je vous montre un. Même pas honte, comme on dit. En fait, quand on l'a déménagé, j'ai pas du tout eu le temps de venir terminer de ranger. Donc là, je me suis installé le cuiseur vapeur pour certains fils à broder. Et puis, j'ai fait le test sur les toiles à broder. Là-bas, c'est l'homme qui a entreposé tout ce qui craignait le gel. Parce que, en fait, on a quasiment terminé les travaux de l'étage. Et donc là où on entreposait les outils, maintenant, ça va être une penderie. Donc, voilà. Et tout ça, c'est des laines... que j'ai ramené, qu'il faut que je trie et que je range. Voilà. Là-bas, j'ai parti broderie. Enfin bref, faut que je trie, faut que je range ça. Là-bas, c'est tout. J'avais trié tous les patrons. Donc maintenant, il faut que je remonte tout ça. Enfin, il faut que je remonte. En fait, là-haut, comment dire, je n'ai pas envie de tout remonter parce qu'en fait, le studio va être en location pour les vacanciers. Et oui, il y a même déjà la couette et l'oreiller si vous voulez venir. Je plaisante, parce que vous voyez, il faut qu'on rebouche là, enfin bref. Du coup, le dégât qu'on avait eu là, ça s'est bien assaini, on n'a plus du tout de problème. Donc on va pouvoir remettre une grille fermée proprement. Là, il y a une grille parce que les chats, sinon, essayent d'y aller. Oui, ils font leur vie, ils vont se balader derrière les murs, ça les amuse beaucoup. Mais voilà, je ne veux pas remettre trop de bazar là-haut, parce que je sais qu'il va falloir que je déménage tout, mais je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, en attendant, j'ai fait des petites piles un peu partout, et il va falloir que je remédie à ça. Vous voyez, j'avais fait... Je ne sais pas si je vous en avais parlé. J'ai enlevé ça parce que j'avais chaud. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais j'avais fait le test pour l'échantillon pour mon Whitmore, et l'échantillon va parfaitement bien. Donc ça, je vous l'avais dit, quand j'avais fait la commande, c'est de la flora que j'avais achetée en déstockage. Et donc, quand j'avais fait une commande, j'avais commandé celle-ci que je ne connais pas du tout de chez Obi. Et ma foi, on est vraiment pas mal. On verra ce que ça donne. Voilà, donc il faut que je range tout ce bazar. Et en dessous, il y a des laines à chaussettes pour ma maman en plus, que j'ai complètement oublié de ramener la dernière fois. Donc, c'est pas bien, c'est pas gentil. Voilà, vous voyez, ça c'est pareil. Hein. Du bazar, encore du bazar, toujours du bazar. Bref, ça c'est, je devais faire des poupées au crochet pour mes filles, mais là clairement, j'ai pas du tout le cerveau pour mettre sur du crochet. C'est vraiment des amigurumis qui sont tout petits, donc j'ai pas du tout la foi.
Donc pour le moment, je vais les ranger. J'ai les cotons, j'ai les patrons. Donc ça viendra quand, au niveau de l'organisation, j'arriverai à me dégager une deuxième journée de repos autre que le dimanche. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà, alors, je vous avais parlé du coup de ma petite boîte à couture. Voilà, où j'ai mis pour le moment mes petits ciseaux. Allez, offert que j'aime trop. Et ça, c'est Laurine qui m'a offert. La Laurine, je suis obligée de dire maintenant, ma Laurine de Lyon. Hop, j'ai sorti des livres voilà, pour les inspirations, pour tout ça. Là, j'ai rangé les grilles de points de croix. Ça, c'est pareil, c'est des pochettes que j'avais trouvées à Action, mais elles se font plus. C'est vraiment dommage qu'ils se tiennent pas à faire des choses sur le long terme. Donc, ah oui, mais je vous ai pas montré. Ah là, je suis désolée, ça, je vais essayer de faire un minimum de bruit avec le plastique. Donc, j'ai reçu ma commande de chez Deux Mères en Fille, ma commande poussière d'étoiles est toujours perdue. Merci La Poste. C'est apparemment, elle s'est retrouvée à retourner sur le centre de tri de départ. Donc, bref. Shop to Shop tarde aussi à me faire parvenir la commande de Laurine, Roseille et Suzanne. Donc, ça me fatigue, mais c'est pas grave. J'ai autre chose à penser que ça. Ça arrivera quand ça arrivera. Donc, j'ai juste vu avec ma mini parce que moi, le bleu, voilà. Donc, on va changer un peu les couleurs. Celui-là, je voudrais faire. Donc, nous, on a eu trois variétés, je sais pas si, enfin trois races, mais c'est pas des races en fait. On a eu plusieurs poules rousses, une poule noire et une poule blanche. Donc, je voudrais faire une rousse, une noire et une blanche à la place de trois poules noires pour faire nos poulettes. Et en fait, j'avais pas fait attention. C'est des petites abeilles, c'est trop mignon. J'adore. J'avais commandé donc celui-ci. La mise au point, c'est quand elle a envie. Le jardin de citrouille. Et hop, celui-là. Et le reste, ah non, si, celui-là aussi, voilà. Et en fait, donc les fraises d'automne de chez Tralala, j'ai celle-ci et j'avais avant celle-là. Et en fait, moi, je ne voudrais pas les faire en fraises. J'aimerais bien en faire un coussin, par exemple, avec les quatre, vous voyez. Donc, à voir. Faire un coussin brodé. Et après, ben, ça, c'est celle que j'avais commandée la dernière fois. Je n'ai pas encore fait. Alors, donc, sur ma dernière commande, j'ai fait celle-là. Celle-ci, je ne l'ai pas encore faite. Celle-là non plus. Donc ça sera l'hiver prochain. Celle-ci non plus. Petit calendrier d'Halloween. Oula. Celle-ci, elle est faite. Et donc celle-là. Celle-là, je voudrais attendre d'en avoir plusieurs. Mais là, il n'y en avait pas dans les promos, il n'y en avait pas d'autres. Donc voilà. Donc je mets ça là pour avoir mes petites inspirations. Mon livre de Cruella que ma mère m'a offert. Je devais avoir peut-être 13-14 ans avec ma première paire de ciseaux. Et j'adore le Cruel. J'adore broder ce type de broderie. Et du coup, je suis en train de me dire que j'en aurais bien incorporé dans ma fameuse. Nappe, pas nappe pour protéger mon puzzle. Je ne sais pas encore comment, mais j'aimerais. D'ailleurs, hier, j'ai réimprimé des petits hexagones de toutes les tailles parce que j'ai un projet en tête pour déjà me familiariser avec la technique. Je vous en parlerai plus tard. En dessous, eh ben, j'ai mis. Oula, excusez-moi, j'ai les genoux qui croustillent. J'espère que vous n'avez pas entendu. Là, j'ai donc mes chaussettes d'Halloween qu'il faut que je défasse puisque la pointe est trop longue. Là, j'ai donc Coraline est partout. Hein. Voilà, là j'ai donc mon test pour Malorae. Là, ça c'est mon sac. D'ailleurs, ça c'est à Woolend. On a pris tellement l'eau à Woolend que faut que je le relave avec du percarbonate. Et dedans, j'ai mis des laines. Alors attendez, comment je vais faire ça parce que je n'ai qu'une main. Hop, tour de magie. J'ai mis mes laines. Donc ça, c'était un. C'est un kit à chaussettes de chez Lubiloun et je voulais rajouter cette couleur là, mais je sais pas encore comment, je sais pas, mais je vais peut-être les emmener ce week-end puisque
Je ne sais plus trop ce que je vous ai dit, mais on a eu un décès dans la famille de Thomas, de l'homme. Donc on remonte dans le nord ce week-end. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de route. Voilà. Donc la boutique, oui, sera fermée vendredi, samedi. Il faut que je fasse un post d'ailleurs pour prévenir. J'ai ma troussinette qui en fait était mon prototype. Je viens vraiment en refaire une autre. Ça aussi, c'est de Mélise. Je lui avais acheté, je crois, au tout premier Woolen. Donc j'ai dedans, j'ai toutes mes aiguilles double pointe. Là, j'ai mon petit bloc pelote de comme Colette que j'embrasse. Mon beaner, voilà. Et en dessous, c'est mon kit de Ginger, mes mini de chez Knit Pro. J'ai sorti Célène. Et en fait, donc ça, c'est un reste de chez By Night. J'avais fait mon bungle avec. Et en fait, j'ai regardé pour le métrage avec celle-ci que j'ai acheté à Soxylange cette année. Vous voyez mon magnifique tapis qu'il faut que j'enlève parce que le chat est attrapé. Mais c'est un tapis qui vient de mes grands-parents. Donc ça, voilà, je l'ai acheté à Soxylange cette année. Chez des éleveurs qui sont super sympas. Et donc je verrai bien un... Alors je l'avais en tête il y a 2 secondes. Bref, un top de... Je ne vais pas y arriver, je suis désolée. Top de Marie-Amélie Design. Je vous redirai le nom. J'aurais bien fait ça. Ou alors, je les aurais incorporés. Donc pareil, ça je les ai achetés à Soxylange. Je les aurais incorporés pour faire un châle ensemble. Mais j'ai cherché en fait en termes de métrage, j'ai pas suffisamment. Bref, à voir. Là, j'ai mis donc ma boîte. En dessous où il y a tous mes stickers, mes planches, mes machins pour mon carnet de tricot. J'ai mis mon carnet de tricot qu'il faut que je remplisse. Vous voyez, je ne l'ai pas rempli depuis dimanche. Bouh, c'est pas bien. Et j'ai commencé à ramener des livres. Il faudrait peut-être plutôt que je les mette comme ça, qu'ils soient plus accessibles. Donc voilà, ça me fait une petite desserte parce qu'en fait, avant, ici, c'était des paniers qui s'empilaient, qui se cassaient la figure. C'était vraiment, vraiment pas terrible. Et puis en plus, ça va bien avec le semenier de ma mémé. Ah, j'ai le tapis de ma mémé, le sommier de ma mémé. Allez, je vais à la boutique avec la mini aujourd'hui. Ah oui, je ne vous ai pas montré aussi. J'ai eu à Noël mon petit renard. Je vais à la boutique avec la mini. Cet après-midi, ma grande a la première partie de son AM, donc anciennement le BSR. Donc voilà, je vais être ouverte aujourd'hui. Je vais en profiter pour appeler les clients, pour leur dire que ça ne sert à rien de venir ce week-end. Je ne serai pas là. Voilà, moi je vous reprends, je pense, demain. Nous sommes jeudi après-midi. J'ai ramené tout un fatras pour vous montrer plein de trucs. Je me suis installée en bas parce que je vais travailler là. J'ai démonté le pull. Alors j'ai récupéré parce que comme on s'en doutait, il est légèrement trop petit. Donc comme on a beaucoup de route, je pense que je vais le prendre pour faire essayer de faire dans la voiture pour agir ça. Mais si normalement ça devrait le faire. On a quand même quasiment 9h aller, 9h retour à faire en 2 jours, n'est-ce pas? Donc j'ai défait le pull que je vous avais montré. Donc là, je vais remonter les côtes. Je vais faire pareil que sur le modèle, parce que la dame elle dit « Ah, vous prenez pas la tête !» C'est pas une question de prendre la tête, hein, je veux que ça soit bien fait. Donc c'est des côtes 1-1. Et au lieu d'avoir une maille envers, c'est un point mousse. Voilà. Donc ça... donc voilà, du coup je me suis installée là pour ça. Je voulais vous montrer, j'ai reçu enfin ma commande de chez Poussière d'Étoile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de celui de l'homme? Ben voilà, j'ai ramené plein de bazar et ça vient partout. Donc j'ai pris, je vais peut-être enlever le plastique parce que j'ai peur que vous ayez un reflet. Je suis désolée, je fais le moins de bruit possible. Hop. J'ai commandé la petite montre à gousset du lapin d'Alice. Ça, c'est celui de l'homme. Moi, je m'en suis commandé deux.
Il y a celui-ci. Hop, on est là. Et j'ai le sticker foil qui va avec. Foil, excusez-moi, c'est... c'est les termes magiques. Foil, ça veut dire qu'il brille. On dit ça quand les cartes à jouer, quand elles sont brillantes. Et celui-ci pour aller sur ma petite Halloween, ma petite citrouille. Et d'ailleurs, j'ai fait cette citrouille-là dimanche dernier. Voilà. Enfin, je l'ai terminée dimanche. Ah non, je ne l'ai pas terminée. Oh, il me reste 3 points noirs à faire. Pour terminer son petit sourire. Il faut juste que je change parce que le tambour, il se détend. Normalement, ça, c'est un tambour d'encadrement. Ce n'est pas spécifiquement fait pour broder puisqu'on ne peut pas le resserrer. Mais pour le moment, j'en ai pas à la bonne taille en bois qui se resserre. J'en ai à la boutique, mais j'en ai pas pour moi. Donc, il faut que j'en prenne un. Je regarde là-bas parce que je sais pas comment je vais vous montrer ça. Oui, mon rond. À tout le monde qui est rentré, là. Rond de cannelle, confiture. Viens, mon bébé. Parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs dehors. Les chats n'aiment pas trop ça. Tu viens, mon bébé. Viens dire bonjour aux gens. Viens. Beetlejuice. Il passe à l'inspection, forcément. Beetle, tu l'ennuies. Ah, qu'est-ce qu'il s'y met. Viens, mon rond. Il n'ose pas parce qu'il y a du bazar partout autour. Ah, mon bébé. Dis bonjour aux gens. Bonjour, les gens. Dedans, il y avait aussi cette étamine qui est un coloris terracotta. Et en fait, je l'avais commandé pour faire mes poulettes. Voilà, ça va aller ensemble. Je ne vais pas le démarrer maintenant parce qu'on va être raisonnable, mais ça va ensemble. Qu'est-ce qu'elle fait, confiture ? Confiture, c'est pas ce qu'elle veut. Oui, tu sais pas ce que tu veux. Ensuite, j'ai commencé. Mais alors, j'ai juste commencé parce que je suis fatiguée le soir en ce moment. Mais je m'étais dit, ouais, le jersey zéro cerveau, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Ron, c'est pas très pratique, t'es perché sur mes genoux, tu veux pas te coucher. Donc, Laurine m'avait offert l'année dernière ce petit kit pour faire un trophée renard que je voudrais mettre à la boutique, forcément. Donc, je l'ai démarré. Alors, le seul truc, en fait, je vais changer les aiguilles parce que c'est des aiguilles en bambou. La taille est super. En vrai, c'est des 23 cm. Ouais, c'est ça. J'ai jamais eu d'aiguille droite petite comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Il faudrait que je les huile parce que avec cette qualité, ça accroche énormément. Et donc, c'est de la... Hein ? Dont on ne peut pas prononcer le nom. 70% coton, 30% acrylique. Et du coup, sur ce type de bois, ça accroche énormément. Vous voyez, j'ai du mal à faire glisser. Donc, il faudrait que j'aille me chercher un autre jeu, un autre set d'aiguilles. 5 mm, pourquoi pas en double pointe, à voir, pour l'avancer, parce que, voilà. Alors, je ne vais pas vous cacher qu'il était 10h, j'avais la flemme d'aller chercher des aiguilles pour faire les deux prochains rangs avant d'endormir. Donc, hop, je range tout ça. Oui, c'est un kit en anglais. Je vérifie avant de vous dire des bêtises, mais ouais, il est en anglais. Et il est en rang par rang, donc en fait, très très facile. Au pire des cas, vous le photocopiez, et puis comme ça, bah, vous riez rang par rang ce que vous avez fait au fur et à mesure. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, ça me permet, le soir, même si je suis fatiguée, regardez ce petit tote bag, il est trop cute. Il est trop mignon. Voilà. J'ai avancé les chaussettes. Rond, il ne s'est pas installé parce que j'ai pas la couverture sur les genoux. Donc, il ne s'est pas installé bien. Et là, on a l'impression qu'en fait, il est prêt à repartir, quoi. J'en suis à un peu plus de 30 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, il faudrait que je les essaye, sauf que... on va pas pouvoir se voir avant au moins mardi, et donc je voudrais continuer d'avancer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené de quoi mettre ça en attente, et je vais démarrer l'autre chaussette puisque le reste a été validé, bien entendu. Donc je vais démarrer l'autre chaussette. Donc j'emmène ça et le pull rose en tricot travail, voilà, puisque je suis quand même censée bosser, hein.
Couche-toi, bébé. Voilà, c'est mieux, c'est plus pratique pour moi, ça me fait moins mal. J'ai donc... alors, je vous avais dit, j'ai ressorti ma boîte à couture, donc elle est déjà pleine. Voilà, c'est formidable. Oula, reste avec nous. J'ai tout mis dedans. Je vais tester d'en coudre deux là, juste pour voir. Enfin, d'abord, je fais le plus, je travaille d'abord. En fait, je vais faire des pauses parce que comme j'attrape vite mal au bras, vous voyez là, ça vous intéresse. J'ai fait les vides de la voiture parce qu'on a beaucoup de route et que là, le pare-brise était dans un état lamentable. Là, je vais tricoter. Après, je vais sûrement aller aspirer, étendre le linge. Je vais revenir, je vais tricoter, monter la deuxième chaussette, etc. Voilà, on varie les plaisirs. J'ai donc ce matin... pendant que la machine de mes chaussettes était en route, si vous vous posez la question, donc toutes les paires de chaussettes que j'ai sont super wash, même si c'est de la laine, enfin elles sont pas toutes teintes à la main, pardon. Je les mets en programme court 20 minutes à la machine à laver et j'ai jamais eu de problème pour le moment. Une paire, parce que mon homme savait pas, il avait mis. Celle de, en sang de Nasgarn Deka, qui elle n'est pas sur wash, il ne le savait pas, il les a mises dedans. Elles étaient un peu grandes, maintenant elles sont pile poil à ma taille, donc c'est pas grave. Parce que souvent on se demande comment les autres entretiennent, et ça fait des années que j'ai mes paires de chaussettes, elles ne bougent pas. Donc, j'ai tout simplement avec un tube de colle tout à fait basique, n'est-ce pas, je suis venue coller le Gefitex, vous voyez, ça fait une épaisseur. Au tissu intérieur et au tissu trop chopinot extérieur. Voilà. Donc j'en ai 7. Et ce matin, je suis venue replier le premier et commencer à coudre à la main. J'en ai profité pour essayer. C'était une bobine de fil que j'avais eue gratuitement en remerciement d'une commande chez Mercerie Extra. Bon, je pouvais aller. Elle est partout. Elle est partout au fond. Et je suis venue ressortir cet outil. Alors, ceci est un message pour tous les conjoints et toutes les conjointes. J'ai acheté ceci à Mondial Tissu, la Croix-Blanche. Oui. Quand j'habitais en région parisienne, il y a 16 ans, je crois, 15 ou 16 ans, puisque ma grande n'était pas, j'étais pas encore enceinte. Ah si, j'étais peut-être tout juste enceinte d'elle, donc en 15 ans. Je ne m'en suis jamais servie. Et ben vous voyez, on accumule, mais un jour, on finit par se servir de nos outils. Donc, pardon, oh mon rond. Donc, 15 ans plus tard, je me sers de cet outil donc, qui est de la marque Boin, qui a un petit fer à repasser, vous voyez, avec un pied, n'est-ce pas? Et qui est donc fait pour le patchwork. Je ne peux pas vous dire à l'époque pourquoi je l'avais acheté. Est-ce que c'était parce que je m'étais dit que pour coudre des choses toutes petites pour les bébés, ça serait pratique pour repasser? Est-ce que j'avais déjà dans la tête, est-ce que j'avais déjà senti que j'allais me mettre au patchwork et à l'English paper piecing? Je ne sais pas. Peut-être. Et donc, je m'en suis servie pour plier à l'avance, vous voyez. Hop, marqué au fer. Et comme ça, ça tient tout seul. C'est magnifique, c'est magique. Alors, donc ça, c'est une petite boîte que je suis en train de faire pour ranger ce genre de petites pinces-là. Vous savez. Voilà. J'ai mis du Gefitex, mais je pense qu'un entoilage épais est largement suffisant. Le Gefitex, c'est vraiment c'est très, très rigide. Donc, on va voir comment j'arrive à coudre après, puisqu'en fait, vous venez faire votre socle. Hop, vous mettez, donc ça sera, admettons, c'est pas celui-là, mais admettons, ça c'est le fond. Après, vous venez mettre tous vos hexagones ici. Vous faites les coutures des côtés entre chaque hexagone et après vous venez plier comme ça les deux de chaque côté pour qu'ils viennent se rejoindre
et faire la couture ici. Donc, ils seront cousus là et là. Et donc, ça va me faire un genre de petite besace, quoi. Très chopinot. Donc, voilà, j'ai fait le premier. Enfin, j'ai fait. Je n'ai pas terminé, mais j'ai commencé le premier. Et j'ai juste, vous voyez, ici, là, ça se voit. En fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai pris le tissu, je l'ai un peu trop tiré pour le poser. Donc, je vais sûrement défaire, puisque ça ne me plaît pas. Sachant qu'en fait, ça, c'est ce qu'il y aura sur le bord. Donc là, je ne le trouve pas très, très joli. J'ai commandé en complément... alors, c'est rare, mais là, j'ai commandé sur Amazon parce que j'avais pas un budget énorme. Et clairement, tout ce que j'ai vu dépasser les 70€, donc voilà, j'avais pas le budget du tout, du tout, du tout. Parce que bah, j'ai fait des craquages, vous le savez, voilà. Et puis là, c'est des petits joulets, en fait, des fils de toutes les couleurs pour justement assembler les hexagones entre eux. Parce que le constat, moi, sur les photos que je vois, c'est que tout est assemblé, pardon, de la même couleur. Et sur certains hexagones, on voit les coutures. Ça ressort, moi je trouve que ça ressort beaucoup. Alors oui, je suis un peu psychologie de la couture à la main, on va pas se mentir, mais j'aime bien, enfin à la main ou à la machine, j'aime bien que le fil soit accordé au maximum au tissu, en fait, simplement à l'ouvrage. Donc j'ai commandé un set de 72 bobines de fil qui était donc à 17€, je crois. Et là, je pense que, voilà, en termes de coloris, on est pas mal. Ah, elle est là. Ça, c'est la bobine que j'avais eue chez Mercerie Extra. En remerciement, je ne sais plus combien il y a de mètres dedans. Voilà. Donc, je crois... Ah non, j'ai pas fait le tour. Ah, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Pourquoi j'ai sorti... Oui, non, ça, j'avais sorti ça pour autre chose. Hop, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Oh, il va falloir ranger tout ce bazar après. J'ai enfin reçu... Alors, je dis enfin, elle n'y est pour rien. C'est la livraison qui a été très compliquée. Je pense que c'est rapport aux grèves et tout. J'ai reçu ma commande de fête chez Laurine, Rosaline et Suzanne, dont je vous ai parlé. Donc, j'ai commandé... Je le dis si je te gêne, ronde cannelle, surtout n'hésite pas. Ce lot de 3 coupons. Oh, je les avais pas encore défaits. Magnifique. Absolument magnifique. Voilà, ça me fait penser à cette fleur là. Me fait penser tellement à la fleur de à ma passiflore que j'avais dans mon jardin quand j'habitais en région centre. Donc. Et de 1, je vais de toute manière pas les replier parce qu'ils vont aller à laver. Et de 2, alors dans mon sens, c'est mieux. Oh, ces teintes, elles sont magnifiques. Alors, oui, il est content. Oui, oui, le chat est content d'avoir des... Parce que c'est pour lui quand même, hein. C'est pour qu'il puisse se coucher dessus, pour pas abîmer mon puzzle, hein, mon bébé. J'ai de la bâche transparente à mon avis. Entre le chat et mon plaid, il y aura une bâche transparente. On va pas se mentir. Celui-ci qui est aussi absolument magnifique avec des œillets. Oh là là, il est super. Oh oui, vraiment d'une beauté. Ce orange en plus est absolument magnifique. Oui mon bébé. Ah, attends, parce que... Ceci est du papier de soie, n'aie pas peur. Il y avait une carte très 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 belle. Donc ça, ça va aller dans mon atelier à la boutique. Des petits mots. Ça, je vais tenter de le récupérer pour mettre dans mon cahier d'écriture de tricot. J'avais pris... Ça, c'est pour finir un ouvrage que j'ai en cours actuellement. Je vais essayer de vous la montrer à l'endroit. Voilà. À l'endroit, c'est mieux. J'espère que je ne me trompe pas. Sinon, désolée. J'ai pris pour l'homme. Ah.
Hop, ce petit enfilé gris, parce que le soir, il n'a pas du tout envie de se prendre la tête à enfiler ses aiguilles. Donc, ah non, je l'ouvre. Ah, faut que je laisse l'ouvrir. Je vais laisser l'ouvrir. Hop, c'est pour lui, ça. Hop. J'avais contacté en cours de route, parce que j'avais pas vu celui-là à la base. Donc, je lui ai demandé de me le rajouter. Alors, vous allez, par transparence, vous n'allez pas le voir bien. Qui est un Dashwood. Le Nostalgia, qui est magnifique, tout va bien ensemble. Alors je précise, du coup je lui ai refait une commande, du coup j'ai fait un paiement séparé, il n'y a pas eu, voilà. Je ne l'ai pas contacté en me disant, ouais du coup, tu peux m'offrir des trucs, hein Laurine, hein. Et elle saura pourquoi je dis ça. Et donc il y a ceux-là qui sont, oh là là mon Dieu, ils sont beaux, oh. Magnifique, oh là là, mais vous imaginez même pas à quel point ça peut être beau. Alors dans quel sens? Dans le sens des animaux. Celui-ci, plus vous prenez de recul et plus vous voyez, parce qu'il y a des petites abeilles, il y a des papillons, il y a des framboises, des mûres, des groseilles, non c'est pas des groseilles. Je ne saurais dire. C'est pas du genévrier non plus. Bref, très très beau. Hop, celui-ci. Oh, ces petits oiseaux. Vous les voyez? Ah oui, vous les avez. Qui ont la tête en bas, qui regardent les copains. Hop. Et celui-ci qui est absolument magnifique. C'est fou. J'aurais envie de me faire une robe là-dedans. Et je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que c'est celui dans lequel elle s'est fait une robe. Je suis quasiment sûre que c'est celui-là. Et c'est marrant parce que sur les vidéos, on ne se rend pas compte. Hein, c'est d'une fluidité, c'est d'une finesse ce tissu. Alors, tac. Ceux-là sont très très fins comparés à ceux-là. Voilà, encore un service que vous avez avec Rosaline et Suzanne, c'est que elle m'a envoyé un petit message pour dire si c'est pour le même projet, est-ce que tu es sûre, parce qu'ils font pas tous le même grammage. Donc top. Pour ce projet-là, ça n'a pas d'importance, mais voilà, ça fait partie de ces petits conseils qu'on aime avoir. Le petit sachet que je vais aller mettre dans mon... Le petit sachet de vanille, n'importe quoi, de lavande, que je vais aller mettre dans mon dressing. Et donc j'avais pris la fameuse ouate qui en termes d'épaisseur est juste absolument géniale pour faire mon portefeuille. Alors j'utiliserai aussi pour faire mes maniques parce que là j'ai largement assez, mais trop contente. Donc maintenant j'ai envie de tout mettre à laver et de m'enrouler dedans. Voilà. Bah écoutez, c'est tout. Je réfléchis, je regarde, c'est tout ce que j'avais sorti. A priori, oui, c'est tout. Je vais donc m'atteler à tricoter le pull. Et puis Amy, je vous reprendrai après pour vous dire au revoir. Comme ça, je fais le montage vidéo et je le mets ce soir en ligne. Et ah oui, je sais plus si c'est ça. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Je vous avais parlé des sets de table grandeur enfant ou pas, hein, mais c'est vrai que les enfants sont plus costauds, je trouve. Donc du coup, je me suis fait hop, les papiers découpés et le gabarit pour le tissu. Et donc j'ai fait... Ah. J'ai fait trois tailles. Au début, j'hésitais, c'est les trois tailles qu'il y a. Il faudra que je pense vraiment à vous mettre le lien dans la barre de description vers le PDF. C'est les trois tailles qui sont disponibles dans le PDF et je trouve ça pas mal. Donc ça, c'était pile poil la taille qu'il y avait dans celui-ci là. Et les autres, je trouve ça pas mal parce que, ma foi, des grands comme ça, quand on a des tissus avec des gros imprimés, ça peut être vraiment joli. Donc je ne sais pas encore quelle idée, quel format je vais faire pour... Enfin si, je vais faire un format rectangulaire pour le
mon cache-puzzle, on va dire ça, pour le matelas de rond. On va l'appeler le matelas de rond. Hein, il y en a qui pètent dans le luxe, clairement. Un rond. Ouais. Et mais bon, voilà, je vous en reparlerai. Mais ça ne sera pas tout de suite, tout de suite. Là, j'ai d'autres projets en tête et pas assez de temps. Allez, bah, écoutez, si je vous reprends pas tout à l'heure, je vous embrasse. Je vous mettrai sûrement une petite vidéo Beetlejuice. Le chat va boire, faut que le chien aille voir ce que fait le chat. Donc, je vous mettrai peut-être 2-3 petites vidéos après de ce que j'ai fait. Mais je suis en train de réfléchir, je pense que je n'aurai pas le temps de vous reprendre avant ce soir. Donc, je vous souhaite une belle semaine. On se dit, bah, pour nous, à mon avis, à dans 15 jours. Je pense que je vais rester sous ce format-là, c'est très bien. Parce que toutes les semaines, c'est quand même énormément de travail. Et puis, bah, tricotez bien, cousez bien, patchez bien. Ah oui, je vous en reparlerai quand j'aurai regardé, mais il y a le deuxième épisode de podcast de Ici, c'est Letty qui est sur YouTube. Je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas vu le premier. J'aime bien parce qu'en fait, ce n'est pas des projets qu'on voit partout. Elle extrapole beaucoup. Voilà. Donc, couture tricot. Je vous invite à aller voir son deuxième épisode. Moi, je ne l'ai pas encore regardé, mais ça va se faire rapidement. Allez, à très vite, je vous embrasse.